Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter justement les nouveautés au niveau de ma maison et de mon arène. Donc aujourd'hui, on est le 3 mars 2021 et il est 18h32. Donc déjà, j'ai mis un peu de glace au niveau de ma maison pour pas justement que les mobs, enfin comment dire, pour surveiller les mobs quoi. Enfin pour surveiller s'il y a des mobs. Également au niveau des ponts, maintenant il y a du jump à faire. Par exemple ici, hop, je peux sauter. Bon, là j'ai pas réussi. Bah je vais vous montrer, hein. Ici, hop, je peux aller jusqu'à la couche 64 grâce à ces piliers. Bah, c'est la couche là où d'habitude on a le sol sur les mondes normaux, même si là c'est un monde plat. Bon. Et puis, ils vont jusqu'à la couche 0, comme vous allez voir. Hop. Ils vont jusque tout en bas du monde. Je vais reboucher le trou. Maintenant, on va aller dans l'arène de PVP parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. D'abord, là, j'ai mis de la laine rouge. Pourquoi pas? Et puis, là, je vais me téléporter aux coordonnées bah, de l'arène. Ok, bon, bah, là, maintenant, comme vous voyez, il y a des torches. Bon, il y a quelques petits problèmes. J'ai pas encore tout rendu symétrique, mais. Je vais le faire plus tard parce que là j'ai mis tout un peu à l'arrache comme vous voyez. Enfin vous voyez pas forcément mais voilà j'ai mis tout un peu à l'arrache. Et puis là justement j'ai mis des torches pour empêcher que les mobs spawnent. Et puis là maintenant bah, on rentre dans le fameux labyrinthe. Même si c'est pas vraiment un vrai labyrinthe. Les loots des coffres n'ont toujours pas changé. Mais maintenant, il y a un peu plus de torches sur tout le passage. Ah tiens, d'ailleurs, il y a eu un chat qui est passé. Là, ça n'a toujours pas changé, ce passage. Bon, ça marche pas. Il faut bien se mettre au milieu du bloc pour que ça marche. Voilà, là, ça a marché. C'est donc toujours la même chose. Le piège n'a pas changé depuis le début. Maintenant, bah, on va voir les nouvelles salles et les nouveautés dans les salles. Donc, tout d'abord, vous allez voir, il y a un bug d'éclairage. Bon, ça, c'était pas la chose que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer que justement, il y a eu, bah, maintenant, il y a un peu plus de torches et que, bah, je vais vous montrer donc les nouvelles salles. Maintenant, je vais vous montrer donc les trois nouvelles salles. La salle des villageois pour trade avec les villageois. D'ailleurs, au passage, j'ai mis des portes en fer et c'est bien pour une raison, c'est pour pas que les villageois s'échappent. Mais ils arrivent toujours à s'échapper pendant le temps d'ouverture. Là, ils n'ont pas réussi. Maintenant, bah, là, il y a des lits. On peut bah, dormir pendant la nuit et 700 points de spawn. Et puis maintenant, bah, il y a une nouvelle salle. C'est la salle de l'End. J'ai mis quelques Ender Eyes pour aider. Et ceux qui veulent faire une aventure du coup dans l'End, ils ont qu'à bah, finir d'activer tous les Ender Eyes et aller dans l'End. Bon, voilà, c'était la présentation des nouveautés. Bah de cette comment dire cette petite mise à jour de la map 2B2T.